Les héros de ma classe. Ils sont gentils, allumés, curieux, indisciplinés, tannants, hypocrites. Les héros de ma classe. Une série de livres dont c'est toi, le héros. Une histoire pour chaque élève de la classe de Madame Anne. Dans la peau de quel élève as-tu envie de te glisser? C'est à toi de décider. Les héros de ma classe. Une série à ne pas manquer. La course contre la montre de Quentin. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'expression « une course contre la montre » Est-ce que ça veut dire que tu fais une course contre une montre? Non, ça serait absurde. Non, c'est pas ça. Course contre la montre, ça veut dire qu'un coureur essaie d'améliorer son propre temps. Ou que quelqu'un essaie d'arriver à temps à un événement, à un rendez-vous. Comme c'est le cas de notre ami Quentin, qui lui, je sais pas si t'es comme ça toi, là, lui, il est pas levable le matin, surtout les jours d'école. Il se lève toujours au dernier moment, donc il n'y a presque pas de temps pour se préparer pour aller à l'école. Et c'est ce qui arrive ce matin-là. Il se lève tellement tard qu'il est presque assuré d'arriver en retard à l'école. Dans la série des livres Les héros de ma classe, c'est toi le héros. C'est toi, Quentin. Donc c'est toi qui prends les décisions et qui doit aussi choisir les bons chemins pour pas arriver en retard à l'école. Est-ce que tu te sens prêt à relever le défi? Est-ce que c'est important pour toi la ponctualité? Oui? Dans ce cas-là, t'es prêt à lire La course contre la montre de Quentin. Tu vas voir, c'est une lecture essoufflante. Allez, je te souhaite bonne course. Ciao!